Alors, je suis à l'aéroport, je commence ce vlog, puisque là, on est au départ, et puis, ben, vous emmène avec moi en voyage. Hein, on les voit pas trop, hein, les avions là, mais ils sont là. Allez, à plus. Hello les amis, je suis chez Raging Reef. La boutique, elle est folle. Je vous emmène tout de suite en visite. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche, mets des pouces, tout ça, pour m'encourager à continuer ce genre de petite visite. Même quand je suis en vacances, vous voyez, je pense à vous. Et cette boutique qui est à Montréal, vraiment, elle est top. Il y a une quantité de vivants terrible, tout a l'air vraiment en bonne santé. Je vous fais un tour du magasin maintenant. Alors on est vraiment dans une zone un peu pavillonnaire et pourtant au milieu il y a Raging Reef. On va pousser la porte, enfin la tirer en fait, et nous voilà dans le champ. Alors là on a deux énormes bacs de présentation qui permettent, on va dire, de se donner une idée de ce que ça pourrait donner à la maison. Donc, mais il n'y a pas trop de pierres, c'est vraiment de la présentation ensuite. Il y a un changement d'eau en coupe. Là, il y a des bacs. Je vais vous passer tout à l'heure avec des plans que j'ai fait avec un filtre. Parce que là, je suis sans filtre. C'est juste impressionnant. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a les trois bacs en enfilade. Avec à chaque fois l'eau qui cascade de l'un à l'autre. Ce qui rend le flux très très doux et qui permet de filmer par le dessous et le côté. On a un petit peu de filtration ici, mais le gros de la filtration est là-bas au bout. Je vais aller vous montrer ça. Et en même temps, on passe à côté des bacs. Donc, bien sûr, il y a de l'aquarium complet qui se vend avec du citché, toutes ces choses-là. Des bacs de présentation pour poissons, pareil, je vous montre, je vous mettrai en incrustation tout à l'heure les différents poissons qui sont présents. Et regardez la taille de cette écoule. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir, un grand écumeur tout en hauteur comme ça. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Bien sûr, on maintient le pH grâce à, enfin le calcium grâce à un rack. Donc on a à chaque fois une cascade et on arrive au bac suivant. Là on a quelque chose de petit peu plus classique avec des petites boutures. Mais regardez ce jaune là, c'est incroyable comme couleur, le rendu il est juste fou. Et des filia bien sûr. Donc, on voit bien là, les verts, les jaunes, tout ça. On va faire un petit plus par les côtés. Magnifique,
ressortir, on a un comptoir avec un aquarium qui est intégré. Et un anneau, ça c'est les petits péninsulas qui commencent à venir à la mode. Ça c'est vraiment sympa. Là, on va avoir toute la partie matérielle. Le congelé, forcément. Là, les flowers. Donc pareil, je vais vous mettre une vidéo, enfin une partie vidéo là, une incrustation avec le filtre. C'est juste magnifique. Et le reste du matériel avec des petites choses sympas comme, je vais vous montrer ça, là, des racks à boutures qui sont mis en exposition. Les paniers pour faire l'acclimatation. Ce genre de petites choses qu'on ne trouve pas forcément toujours. Et après, bien sûr, de quoi faire son eau, de quoi avoir du sel. Et on se rend compte qu'on n'a pas tout à fait la même chose, mais c'est pas loin. Hein, avec beaucoup de fauna marin, beaucoup de fauna marin dans toute la boutique. Et puis voilà. Dans cette installation, ils ont des ecclésias exprès pour nourrir les crevettes Wundermanni pour qu'elles gardent l'habitude de les manger avant d'arriver chez le client qui pourrait être infesté. Bien sûr, elles sont ici, dans ces installations-là, et on ne les trouve pas dans les bacs de coraux. J'espère que cette vidéo de visite à Montréal vous a plu, que vous avez vu des choses très sympas. Personnellement, c'est un régal, un vrai petit magasin, un magasin de sucreries pour moi. J'aurais envie de tout acheter, simplement le souci c'est que à l'import ça risque de coincer un petit peu, beaucoup, énormément, donc je suis obligé de tout laisser là, mais ça donne envie. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le coin, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de Récifs Captifs.